Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vidéo pas très cool. Ça va être cool pour vous, mais moins cool pour moi. Voilà, je vais vous montrer tous mes livres que je dois entamer prochainement. Voilà, la liste s'allonge de jour en jour. Là, j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps, donc du coup, bah voilà, des nouveaux livres. Et encore, je compte pas les PDF. Parce que ouais, c'est à n'en plus finir. J'ai encore pris du Coco Wayo hier soir sur Etsy. J'ai vu qu'ils sont arrivés sur Etsy, c'est cool. C'est à 4,68 € le livre. Voilà. Donc bah, j'ai pris celui qui me faisait envie. Le dernier est sorti. Je sais plus. Oh, mais là, à chaque fois que je lance une vidéo, elle se pointe. T'es vraiment, hein? T'es pas une star. Non. Non. Allez, va vivre ta vie. Gros chat, là. Ah, ouf, ça me lance. Je me suis fait opérer hier. Un canal carpien, mais là, oui, j'ai eu une douleur dans la poitrine. Ouf, ouf, ouf. Arrête d'embêter maman. Maman, elle a besoin de repos. Donc, je vais vous faire la partie. Je sais même plus de quoi je parlais. Je vais vous faire une partie Disney hors Disney. Mais voilà, oui, donc oui, j'ai pris un Coco Wayo, mais je sais plus comment il s'appelle. Je vais regarder vite fait dans mes derniers téléchargements. Faut que j'imprime aussi, du coup. Parce que j'ai envie d'en colo un, mais après, le Spooky Cutie. Voilà, c'est ça que je me suis pris. Ils sont pas encore tous disponibles. Je pense que ça va leur prendre un petit peu de temps pour les mettre tous. Mais je suis très contente qu'ils soient sur Etsy. Enfin, ça aurait peut-être été mieux qu'ils fassent leur propre site. J'avais été voir, mais ils buguaient plein pot. Donc, je ne sais pas si sur leur site, ça sera disponible aussi après à l'achat. Mais j'ai vu que c'est qui d'autre? Coloring Book Café. Non, je ne sais plus si c'est eux, mais eux, le site fonctionne. Mais ils ont réussi à retourner sur Amazon quand même. Donc, je ne sais pas. Mais... Enfin, bon, bref. J'étais inquiète pour Coco Wayo quand même. Donc... Je vais vous montrer, j'ai fait deux piles sur mon lit. Je vais vous montrer ça petit à petit. Hein, je vais faire comme je peux. Voilà. Mais on va commencer par les. Il y a plus de hors Disney que de Disney, hein, forcément. J'ai plus facilité à entamer du Disney. Est-ce que j'en fais plus? Qu'est-ce que je fais plus de Disney que de hors Disney? Pourtant, j'essaye d'alterner. Mais je pense que je fais quand même plus de Disney, quoi. Parce que c'est plus. Pour moi, c'est plus simple. Pour d'autres, non. Mais pour moi, c'est plus simple parce que bah, la plupart du temps, on a déjà les combos de prêt. Voilà, grâce à Mademoiselle Disneyland ou Oana Colo. D'ailleurs, il faut que je finisse d'imprimer ça aussi. Moi, je les imprime, je ne vais pas tout le temps voir sur Internet. Voilà, je préfère les avoir en. Voilà. Vous avez compris. Bref, on y va. Celui-là, je l'ai mis en bloc du coup ce matin. Donc, un des derniers arrivé à la maison. On rentre du boulot, du coup, bah, il n'est pas entamé, forcément. S'il ne serait pas dans cette vidéo, j'ai galéré avec les premières pages, elles se déchiraient mal et j'ai voulu y aller au massicot, mais mon massicot, il était voilà, en fin de vie. Mais non, c'est pas terrible. Mais après, ça, bah, comme par hasard, là, je me suis acheté un nouveau massicot machin, je voulais le faire ce matin. Ça s'est détaché tout seul après. Enfin bon bref, donc il faudrait que je commence celui-ci. Il y a certaines pages qui sont, voilà, j'aime pas les tours, là, les trucs comme ça. Ça étouffe le colo, quoi. Arrêtez de faire ça. Encore là, c'est du papier peint pour du papier peint, donc oui. Mais il y a certains trucs, non, quoi. Ça va. Je l'aime bien ceci. Ça passe. Mais ça, là, les carottes. Qui a envie de colo des carottes comme ça? Et comme... Enfin, quatre carottes, sérieux. Il n'y a pas besoin de ça, il y avait déjà des carottes, là. Ça, j'aime pas ça. Franchement, les copier-coller, là, je trouve ça, mais... Ah, insupportable, ça, les engrenages. Qui aime colorier des engrenages? C'est encore un cadre en bois, je veux bien. Ils nous auraient remis les trucs de maïs, mon Dieu. Non. Donc, il y a des colos. J'aime bien celui-ci. Sympa. Non, ils pouvaient pas juste laisser l'illustration, là, le poisson. Non, mais franchement, qui a envie de colorier autant de poissons? Il y a un moment, c'est bon. C'est bon. Faut arrêter, les gars.
Je sais plus qui c'est qui l'a fait celui-là. De toute façon, je l'ai rangé. Mais voilà, faut que j'entame celui-ci. Mais il y en a des très beaux. Mais j'aime pas ça, c'est pareil. C'est pas le bloc message ou quoi que ce soit. Abstenez-vous, s'il vous plaît. Hop, donc voilà, celui-ci entamé. Par contre, comment je vais faire? Où c'est que je vais les mettre? Allez là. Ensuite, un des. Non, mais ça fait pas. Si, ça fait un petit moment que je l'ai celui-ci. Donc, dans les ateliers de coloriage teens de Disney, je vais réussir à avancer. donc là, c'est le Flower Power. Donc, ouais, je ne l'ai pas entamé celui-ci. Je ne vais pas tout vous présenter à chaque fois, mais. Donc là, c'est bien, on est sur. Juste du recto. On peut utiliser à peu près ce qu'on veut dedans. Vous avez des colos que vous retrouvez dans les bodonies, hein, clairement. Donc. Pour 9,95 €. Si vous achetez à Leclerc, vous avez c'est un poil moins cher. Mais voilà, vous avez des colos que vous retrouvez dans les gros livres sans avoir les fioritures. Celui-ci, mon jeu. Faudrait que je le refasse. Je l'ai fait dans le Art déco. Un carnage. Un carnage! Mais ouais, que j'entame celui-ci. J'ai encore pas vu en Encanto. Donc oui, entamer celui-ci. Je pense que je vais m'en mettre d'office dans mes futurs packs. Voilà, me mettre un ou deux livres à entamer. Je me suis fait la liste, faudra que je revérifie qu'il y a tout dessus et puis voilà, que je m'en mette deux voire trois d'office dedans, comme ça ça avancera plus vite. Donc le grand classique, il y en a des magnifiques dans celui-ci, vous voyez belle comme il est beau celui-ci. Magnifique. J'aime beaucoup celle-ci. J'aime bien beaucoup. Mais oui, des belles scènes. Voilà, là, les motifs, ça se gêne pas, là. C'est pour le bal, pour machin. Il est très très beau. Celui-ci, il est beau. Il est aussi dans le. C'est dans le 4 saisons qu'il est, mais tout plein de fioritures, hein, que j'aime pas. Mais voilà, là, il est très. Il est épuré, il est beau. Voilà. On m'a encore chambré hier sur le live de Killy. Pour le 4 saisons, non, moi je n'arrive pas. Voilà, les colos où c'est. Mets des fruits et légumes autour du personnage où tu mets du. Voilà, tu fais des copier-coller de feuilles, de machin, t'en mets partout là. Non. Beau celui-là. J'adore celui-ci. Vous avez la ring light, hein, juste là. Ça brille. J'aime bien celui-là. Et vous avez pas mal de petits vitraux aussi. Non, franchement, il est beau celui-ci. C'était un beau bloc. Donc oui, à entamer. Prochainement. Si vous avez certains de ces livres, n'hésitez pas à me proposer des duos. Ça me ferait grand plaisir. Voilà. Donc le nature que j'ai acheté pour l'illustration de Dingo, principalement, parce que dans le 4 saisons, elle a été massacrée. Voilà, mais dans celui-ci, elle est très belle. Il va falloir que je le couvre, celui-ci. Mais par contre, il y a des copier-coller dégueulasses. Les arbres sont carrés comme dans les nouveaux Disney Mickey, la maison de Mickey, voilà. Les nouveaux épisodes, les arbres sont tous carrés, donc voilà, je sais pas. Donc là, on retrouve notre voilà, mais voilà, c'est ça va encore. Mais on a des aberration relié à Bertrand. Je sais pas si c'est pas elle qui a fait le 4 saisons. Non, non, c'est pas elle. C'est une nouvelle. Mais oui, là, on a des. Dans celui-ci, on a des arbres dégueulasses. Sinon, ils ont mis des pages et des pages de. Ah, là, les arbres, ils sont. Non, mais. C'est des arbres. Hein, mais c'est ni fait ni à faire. Hein. Franchement, voilà quoi. Voilà. On l'a dans tous nos livres, celle-ci. Hein.
Et ce que j'aime pas non plus, c'est que la plupart, voilà, ils vous ont mis beaucoup de verdure, parce que forcément c'est le nature, mais vous vous retrouvez avec des personnages qui sont tout petits. Donc pour faire les, voilà, les dégradés, tout ça, c'est pas ouf, 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 hein. Celle-là, je l'adore, ça va être très belle. Celle-ci, je pense à Mélo. Là, les copier-coller de maïs, hein. Voilà, donc vous voyez celui-ci. Clairement, on l'a vu dans le Flower Power de chez Tim. Hein. Ça va. Là, c'est. Ouais. Celle-ci aussi, elle est dans les Teens. Le fameux en cours de Mélo. Là, au papier de pain, là, elle passe. Là, on a encore des arbres dégueulasses. Voilà. Mais ouais, j'aime bien les Nickel Friends. Celle-ci, on l'a dans tous, là, voilà. Voilà. Ils nous ont mis 4-5 pages comme ça, là, avec les fleurs de d'Alice. Voilà, ça, c'est le genre de truc dégueulasse. Ça, non, quoi. J'aime pas du tout. Ça, là. J'aime pas du tout. Là, voilà, les arbres carrés. Celle-ci, on va s'amuser. Alors là, celle-là, voilà. C'est juste, voilà. Vous avez des personnages qui sont tout petits. Lui, il est complètement dans la. C'est n'importe quoi. Je la trouve dégueulasse, cette double page. Mais vraiment dégueulasse. Je trouve que les arbres, ils sont mal faits. Enfin, c'est. Puis là, bah, c'est du copier-coller autant que tu veux. Hein. Vas-y, je te mets la feuille, je te la remets, je te la remets, je te la remets. Non, franchement, c'est moyen. Là, c'est pareil. Vous avez une double page. Les personnages, franchement, vous allez les faire comment, là, les personnages? Il y a un moment, voilà quoi. Ça, je suis pas. C'est pas cool. Celle-ci est magnifique. Là, on retrouve les arbres dégueulasses. Voilà, là, t'as pas de personnage, t'as rien là. Voilà. Enfin, c'est. Autant faire une page simple, hein. Franchement, on peut faire une double page et le meubler comme ça. Non. Pas d'accord. Celle-ci, ça passe. Ça passe. Je voulais vous montrer la dingo du. Je sais quelle heure. Elle est là. Elle est magnifique, celle-ci. Mais ouais, dans le saison, ils ont rajouté des. Non. Elle est magnifique. Quel voilà. Regardez-moi ça là, c'est dégueulasse, non quoi. D'où les arbres, ils sont carrés. Ça, les fleurs, franchement, les fleurs d'Alice, je peux plus. Oh non, je peux plus. Mais sinon, il y a des très belles illustrations là. Mais voilà. Là, c'est pareil. Voilà. Le copier-coller, le fameux copier-coller dégueulasse. Voilà, et on voit donc bien la rose, le petit paquet de fleurs, les petites tulipes là. Regardez, quelques pages avant. On a une mini, voilà, et c'est exactement pareil. On a le groupe de fleurs, et les tulipes, voilà. Bah ouais. Ça recycle à fond, hein. Bah ouais. Ah bon, bref. Oh, ça, je déteste. Je déteste ça, là. Tu pouvais pas juste élargir et puis me laisser la page telle quelle? Non? Là, les arbres dégueulasses, on est reparti. Enfin bon, bref. Alice, on n'en peut plus. Enfin, pas les fleurs, quoi. Mettez des personnages. Même si c'est la nature, voilà, quoi. Mais les fleurs d'Alice, c'est bon, on en a eu assez, là. Hein. Franchement. Donc voilà, le nature a entamé. Là-bas. Ensuite, le grand classique en grand carré. C'est chiant, ils ont tous les mêmes noms. Je redis tout le temps la même chose, hein, mais c'est chiant, quoi. Ah, c'est Aurélia Bertrand, c'est la même qui a fait celui d'avant. Donc voilà, celui-ci a entamé et voilà. C'est exactement la même. Ah. Ah oui, on recycle, hein. Faut que ce soit rentable, hein.
Celle-ci, là, avec Atlantide aussi, on l'a beaucoup. C'est le fameux livre où on a la Arioul de la mort. Que je ne ferai jamais. Voilà. Magnifique Arioul. N'hésitez pas à la voir sur, aller la voir sur le compte de Mélo. Voilà. Elle a fait une superbe version. Elle a saigné pour ce colo. Mais bon, voilà. J'ai celui-ci aussi à entamer. Ensuite, le carré, le grand carré Baby. Voilà. Acheté en double. Hein. Jean-Luc Guérin, celui-ci. Voilà. Donc. Faut que j'arrête avec Winnie, faut que j'arrête, faut que j'arrête. Ah oui, il faudrait que j'arrive à entamer ces livres prochainement. Je vais bien voir ce que j'arrive à faire avec mon bazar. Mais bon, je me dis, une fois que celle-là sera finie, il faudra que j'entame l'autre et ça sera encore plus compliqué avec l'autre et que je suis droitière. Donc ensuite, on a le Teens sous l'océan. Ça, c'est un des derniers qui arrive à la maison, me semble-t-il. Mais voilà, celui-ci n'est pas encore entamé. Ouais, vous voyez, je l'ai eu à 9,46 au lieu de 9,95 à Leclerc. Là, oui, on va avoir beaucoup d'Ariel. Hein. Donc, on a des beaux colos. Bon, celle-là, on l'a partout. Clairement, on l'a partout, celle-ci. Celle-ci aussi, on l'a dans un. Dans l'histoire. Non, pas dans les. Je sais plus. On l'a dans un Bodoni, il me semble. Il est sous l'eau, là. Non, ils sont dans les égouts, là. L'océan, tu repasseras. Hein. Enfin, bref, voilà. Pour ce livre. Ça fait plus de tête. Il y en a ouais des simples et des moins simples, mais ça reste simple dans l'ensemble. Puis bon, on peut mettre vraiment ce qu'on veut comme matériel. Donc. Hop là. Celui-ci. Ensuite, celui-ci, il faut que je le mette en bloc. Est-ce que j'ai encore un porte-vue quelque part? Oui, normalement. Voilà, donc le vie sauvage, celui-là, je vais le mettre comme ça. Jean-Luc Guérin aussi. Non, peut-être pas le bon sens. C'est compliqué, hein. Je vous promets. Oh là là, il est détaché en plus. Voilà, pas mal de belles illustrations aussi dans celui-ci. Il est mieux que le. On rentre du boulot, hein, clairement. Donc. Ça fait pas mal de blocs en plus. Voilà, la passion bloc, mais on va jamais dans ces blocs. C'est horrible. Celle-ci, par contre. Bon, voilà. Le vie sauvage. Oh, j'ai encore plus de à faire en présentation sur la chaîne. Et j'ai aussi le. Mickey Donald & Co. non entamé. C'est le seul mystère que j'ai pas entamé pour l'instant. Bah, je vais pas vous le. Enfin, on voit très bien les lignes si jamais. Vous voyez, on voit très bien les lignes, les numéros. Et les zones blanches sont vraiment sans numéro. Ça, c'est bien ça. Voilà. Celui-ci, non entamé. Ensuite. Le Love Stories en bloc. Voilà. Celui-ci, je l'ai pris d'occasion sur Vinted. C'était ma période où je voulais donner leur chance. Voilà. Où je faisais la collection. Hein. Voilà. Je voulais tous les blocs. Je voulais tous les petits carrés. Voilà. Donc là, oui, on a du motif dégueulasse. Des papiers peints. Enfin, voilà. Voilà. Mais je voulais leur donner leur chance. Et. Essayer d'en faire quelque chose de potable.
Donc pas entamé celui-ci. Je me prends une petite idée pas trop compliquée. Va être difficile, mais on va trouver. Hein. Prendre une petite idée et faire abstraction du motif dans les personnages, comme je dis toujours. Achevé d'imprimer par polygraphe en Slovaquie. Ah là là là. On voyage, on voyage, on voyage. Allez. On va y arriver. Voilà. Donc, ah non, si, j'ai encore un truc en ici. J'ai celui-ci. C'est mon troisième bloc de marque-page. Du coup, j'ai ma chaise qui est descendue. Vas-y, mets-le, rigole. Voilà. Donc, le vintage. Voilà. J'ai le Babies tome 2 et le mini portrait. C'est ce que je préfère. Et voilà, j'ai pris celui-ci parce que celui j'ai trouvé qu'il avait des. Il était quand même pas mal celui-ci. Il a des... Ça peut faire de beaux marque-pages et. Bah, Mickey et Minnie, quoi. Voilà, Mickey et Minnie, Mickey and Friends. Voilà. J'adore. Donc, il va falloir que j'arrive. Je redemande à Tasse qu'elle me fasse un rangement. On attaque le Walt Disney. Celui-ci m'a été offert il y a quoi? Un an, 2 ans, je ne sais plus. Par ma sœurette. Est-ce qu'il y a l'année là-dessus? Non, il n'y a pas d'année. Donc je sais pas. Mais voilà. Magnifique livre qui me fait peur. Mais il faudrait que j'ose entamer. Je l'avais mis encore dans ma pack ce mois-ci. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, il n'est toujours pas entamé. Magnifique illustration. J'ai envie d'avoir le deuxième, mais bon, ça serait bien que j'entame le premier avant d'avoir le deuxième. Hein? Donc le Duncan Bent. Ensuite, j'ai A Girl with Poem. Du tout. C'est compliqué. Mais ouais, celui-ci est magnifique. Un livre asiatique que j'ai pris sur, sur AliExpress. Je sais pas comment me mettre. C'est compliqué. Voilà, vous avez des idées de mise en couleur. Mais. Faut que je l'entame, pareil, je sais pas trop ce que va donner le papier, mais je pense que ça doit être du bon papier. Celle-ci, je l'adore. Mais faudrait que je l'entame. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Voilà. Ensuite, un des derniers arrivés, le Mythe et Légende. J'avais dit que je ne l'achèterais pas, que je le trouvais trop sombre, patati, patata. Mais voilà, sachant que Kirby fait une pause niveau livre de colo. Voilà, je me suis dit. Bon, là, j'ai repris en main à bout du coup. Et bon, bah, il y a les fameux nuages que j'adore mettre en couleur. Donc, je me suis dit, de toute manière, je ne les ferai pas en dark. Je vais les faire colorer à ma façon. Et il y a certaines pages qui. Ils sont fort jolis tout de même. Donc voilà. Il a rejoint ma collection. Non, celle-ci. J'ai celle de Killy en tête. Donc ouais. Celle de Didi. Il me semble que Didi l'a faite, oui. Enfin bon bref, il est à la maison quoi. Donc je le couvre. Par contre, ouais, il est affiché 10,90, 12,26. Merci la mouche. Oh, il y en a deux en plus, elles sont en gang. Oh là là, Bella, t'es où? Fais ton travail. On ne joue. Non plus de croquettes. Hein. Et voilà. Natacha, pas Nathalie. Natacha m'a offert au coffin du cosmos pour mon anniversaire. Voilà.
en édition Marabout. Et je cherche encore. À l'intérieur. Je cherche encore comment appeler mon petit astronaute. J'hésite entre Roberto, Johnny, je sais pas trop encore. Et j'aimerais bien me procurer le Color Morphia, mais il est plus dispo sur Amazon. Et j'arrive pas à le trouver neuf sur Vinted. Mais ouais, je voudrais le Color Morphia. Et c'est tout après. Mais voilà, là, je. Il y a plein de nuages à la Kirby. Je suis contente. Et je vais faire péter les couleurs. Ça va être trop bien. Il y a des pages qui sont vraiment intéressantes. En tout cas, il faut un peu plus flipper, mais voilà, faut que je lui trouve un petit nom à ce petit astronaute là. Mais Kirby, c'est la vie. Voilà. Ensuite, j'ai le City Among the Stars. Je crois que c'est ça. Qui est chez moi depuis un petit moment maintenant. C'est la version Toucan for Lag. Je l'aime beaucoup, cette version-là. Et non, il n'est pas entamé. Et bon, je vais l'entamer prochainement avec Natacha. Elle en a déjà fait deux dedans. Une petite boîte de bonbons et une double page. Elle a fait celle-ci. Et je crois que c'est celle-ci. Mais bon, oui, il faudrait qu'on. Faut que je l'entame et je vais l'entamer avec elle. J'adore cette page-là. Mais j'adore voilà, les livres des contes là, de Anna Carlson. Je kiffe. À chaque fois que je vais dedans, je l'aime beaucoup aussi celle-ci. La montgolfière, j'aime bien. Celle de d'Audrey, elle est. Top. C'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci qu'elle a fait il y a pas longtemps. J'aime bien aussi celui-là. Enfin bon, bref, j'adore. La fameuse. Donc, ouais. Bientôt, bientôt celui-ci. Ensuite, le dernier à Hey Paul, que je me suis procuré sur Vinted. Il y avait juste un petit toutou. Voilà, il y a juste ça de fait dedans. Voilà, j'aimerais bien l'entamer aussi celui-ci. J'adore cet univers. Je la trouve trop mime, cette petite fille avec son petit chien reine, là, puis le petit écureuil. Enfin, j'adore, j'adore, j'adore. J'aime trop. Ça fait un peu flipper, mais voilà. J'ai trop envie d'y retourner. Ils sont trop beaux. Et il m'en manque un. Mais pareil, avec Book Depository de fermé, c'est compliqué. Hop. Ensuite, j'ai mes livres de AI. Donc de Gundren Hall à entamer. Le papier, ça doit pas être terrible. C'est pas foufou. Mais on va essayer de faire quelque chose. Ça, en mode néon ou quoi, ça peut être vraiment pas trop mal. Je sais pas trop s'il y a des défauts dans ceci. Je pense peut-être. Ça va, elle a pas de doigt, donc ça par contre c'est un peu chelou, je sais pas trop ce que c'est. Elle a les deux mêmes yeux. Du moment qu'il n'y a pas de main, ça peut aller à peu près, hein. Lui, sa bouche est un peu chelou quand même. Mais voilà. Moi je les entame. Fort pixelisé pour certains. Voilà. Et le deuxième que je m'étais pris, qui était le Amazing Air, toujours du même illustrateur. Je sais pas trop si on peut appeler ça un illustrateur, mais parce que j'ai pas l'impression qu'il retouche Gundren Hall. Aïe. Mais voilà. Pour faire un peu de portrait et des cheveux.
Celle-là, je l'aime beaucoup. Par contre, oui, vous avez des cheveux qui se baladent un peu droite à gauche. Hein? Celle-là aussi, elle est belle. Un problème, le petit oiseau, là. Lui, ses pattes. Lui, je sais pas. Hein? Oui, j'aimerais bien m'entraîner pour les peaux noires. Bon, les mouches, j'ai dit ça suffisait, hein. Ensuite, j'ai des Anastasia Helicol d'Areva. Celui-ci, il me semble que je l'ai racheté à Hello. Nicolo de Hello. Hop. Donc, c'est des magnifiques illustrations. J'aime trop. Ça me fait trop peur. J'ai trop peur de rater parce qu'on a quand même une sacrée zone. Hein. Hein? Mais ils sont magnifiques. Puis là, pour les cheveux, les effets cheveux et tout. C'est vraiment trop, trop, trop beau. J'aimerais bien pas tous les avoir. Celui avec les dragons ne m'intéresse pas. Mais j'ai aussi pris celui avec les sirènes. Je les prends en occasion quand je les quand je trouve au prix où je l'achète habituellement, bah je prends. J'ai ma main qui commence à me faire mal, enfin j'en prends un loli. Mais ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Pour me faire plaisir au niveau des paillettes, l'aquarelle pour le fond, enfin là, les cheveux, ça va être trop bien, c'est trop trop beau. J'espère que vous voyez bien quand même. Je mettrai plus de luminosité au niveau de du montage. Hop, voilà. Ça en fait, hein. On est déjà à combien de minutes? Oh là là. On n'a pas fini la pile. Hein. Donc j'ai aussi le Serenity. Donc pareil. Sublime portrait. Je sais pas s'il en a d'autres de prévus, mais j'en ai déjà en retard. Mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop ce qu'elle fait. C'est beau. C'est bio comme tu. Ensuite, on a aussi, j'ai aussi beaucoup de Zeria Karkirzoy. Hop là. Celui-ci, c'est le dernier. Je crois. Donc celui-ci. Je vais peut-être juste vous les montrer comme ça, quoique. Il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est toujours des petites. C'est trop mime, c'est trop mignon, voilà. Et je les prends toujours en grayscale. J'en avais un en line art, mais il faut que je le mette en vente. Parce que non, j'aime pas en line art. Je préfère vraiment en grayscale. Ils sont trop mignonnes. Mais il faut que j'aille dedans. Je les mette en couleur. Mais elles sont déjà rien comme ça, elles sont superbes, quoi. Oh, regardez-moi ça. Donc ouais, entamer celui-ci. J'ai le From Halloween to Christmas aussi. Je n'ai pas touché. À chaque année, je le mets et je ne le sors pas, alors qu'il y en a des très belles aussi dedans. Donc ouais, à entamer. Moi, ça me dérange pas de faire du Noël en plein été ou voilà quoi. Je colo ce que j'ai envie de colo et basta. Hop! Le Christine Caron.
Le Fairy and Fantasy, donc là c'est le numéro 1. Hop, non entamé, alors qu'il y a des superbes colos à l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà. Christine Caron, je crois que c'est après Kirby, c'est peut-être celle que je préfère. Enfin, j'aime beaucoup son trait, je trouve qu'elle évolue vachement bien. Et j'espère que je vais réussir à avoir le dernier prochainement. Je ne vais pas me le prendre quand il est sorti. Donc j'espère que je vais pouvoir le choper. Ensuite, on a le Coloring Beautiful Fun Fantasy de Deria. Non, non, pas mais non plus celui-ci. Mais bon, les Deria, je les achète tous. Hein. Dès que ça sort, j'achète. Je la soutiens sans la colorie. Non, si, j'en ai fait quelques-uns, mais j'aime beaucoup. Oh, celle-là, elle est magnifique. Non, franchement, elle est trop belle. C'est trop mims. Je vais pas pouvoir vous lister, je pense pas, ça va me prendre un temps fou. Si je liste tous les livres en barre d'infos, je vais y passer une journée complète. Je verrai bien si j'ai la foi. Mais voilà, je verrai bien si. Hein? Là, ça va, il y en a plus de 30, hein, je crois. Donc là, je vous ai pas dit lequel c'était, le Color and Ocean Mermaid. Donc oui, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai et non, je l'ai pas entamé. C'est trop cute, c'est. Donc ouais, faut que j'aille dans mes livres. Et là, ouais, les feuilleter, c'est un plaisir. J'adore. Hop, et bon, moi c'est des livres Amazon, hein, c'est vraiment pas cher. C'est sur le papier, il repousse un peu, mais bon. Vous scannez. Hop, le Valentine's Day des Nice Little Town. Ça aussi, je le voulais. C'est le seul Nice Little Town que j'ai, du coup. J'en ai en PDF, hein, mais. Donc c'était Satyana Bogema. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc plein de petites scènes avec des petites souris, tout ça, mais c'est fort chargé. C'est ça qui me freine un peu. J'aime bien les colos rapides. Et pour moi, ça, c'est pas rapide. Donc, ouais, il faudra que j'aille dedans. J'en ai mis en couleur un de. Ouais, de Nice Little Town. Juste un. Mais oui. Cet univers. Hop, ensuite j'ai le Enchanted Christmas, The Creative Event de Teresa Goodrich. Celui-ci n'est pas entamé. J'ai entamé l'autre que j'ai, mais non, j'en ai détaché. Donc voilà, c'est du Teresa Goodrich. J'en ai deux et ça me suffit amplement, je pense, parce que je vais pas aller dedans. Voilà, c'est fort détaillé aussi, c'est colo. Donc deux, ça me suffit. Voilà. J'ai de quoi faire là, pour les colos de Noël. Vous voyez, c'est chargé. Hein, donc, voilà. Hop. Ensuite, le dernier Christine Caron sorti, mais le dernier papier Amazon, moi, c'est le Wildflower. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais. Et celui-ci, j'ai eu de la chance. Je me suis commandé avant qu'il disparaisse d'Amazon. Ça a mis un petit peu de temps avant qu'il revienne, mais il est revenu. Mais voilà, Christine Caron, pareil, je la soutiens, je les achète tous. Il y en a un que j'avais, c'était le Fairy Fantasy. Non, le Fairy 2. Je l'avais en papier et je l'ai revendu. Ben, je les ai en PDF. Hein, mais. Il est trop beau. C'est trop mime, c'est trop. Donc oui. Et ça prend pas trop de temps à être colorié. Donc ça, je vois celle de Taz. Elles sont trop belles. Donc oui. Celle-là aussi, Taz. Donc oui.
Je retourne. Ensuite, en cocorayon. C'est le seul que j'ai en papier. Le witchis que m'avait offert ma sœurette. Et que je l'entame celui-ci, mais pareil, je me demandais est-ce que je le scanne. J'ai commencé à le scanner, mais ça me convenait pas. Enfin, je trouvais pas ça, je sais pas. Donc, je vais le faire dans le bouquin. Mais il y a des vraiment belles illustrations dedans. Je voulais le Green Witches aussi. Faut que je le. Il est pas sur le Etsy encore, mais je vais le prendre dès qu'il y sera. Je devais le prendre, le Green Witches aussi. Mais très très belles illustrations. Faut pas que je tarde à y aller. Je me prends une palette de couleurs et hop. Ensuite, j'ai le Handstroke Fantasy Collection Coloring Book. Ma soeur l'avait en double. Bilan, bah, il y en a un qui a fini chez moi. Le format est quand même relativement grand. C'est que du recto. Et c'est du compliqué pour moi. Je sais pas quand je vais oser aller dedans. Franchement, enfin, je sais pas. Mais me fais mal. Je vais me faire engueuler dans les commentaires. Ouais, peut-être faire un truc comme ça, c'est un peu plus simple. Mais il faudrait que j'entame. Ouais. Bah, qui reste dans le placard. Oh. Ça tire. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je me suis trompée de mon Disney. J'ai pas fait gaffe. Donc j'ai le Disney Mickey and Friends, tout l'univers à colorier. Je me suis pris sur Vinted parce que bah il n'est plus disponible ailleurs. Mais il est très très grand celui-ci. Très très grand. Hop. Donc oui, je voulais aussi le Karl Barks. J'essaye de me le trouver sur Vinted, mais je le vois pas. Donc quand j'arriverai à le trouver, je le prendrai. Mais j'aime trop, 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 trop. C'est trop beau. Rien qu'à feuilleter, c'est le bonheur. J'aime tellement. Donc voilà, j'ai celui-ci entamé. Il est trop beau. Donc, oui. Et pareil pour le couvrir, ça va être une talasse. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. J'ai le Pop Manga Dragons and Other Magically Mythical Creatures de Camille Adérico. Elle en a sorti un ou il y en a un qui va sortir là, donc je sais pas trop si je vais le prendre parce que finalement j'y vais pas plus que ça. J'aime pas le papier. J'aime pas ce papier-là. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme maison d'édition. Watson Guptil. Ah, Revla la bête. T'as pas chassé les mouches? Moi, je suis pas contente. Hein? Donc, je sais pas si je vais le prendre. Parce que je suis toujours pas allée dans celui-ci. J'en ai fait qu'un dans le Mermaid. Enfin, voilà quoi. Mais j'ai vu Taz Colo dedans et voilà. Taz! Voilà, ça c'est une page dégueulasse. Mais il y en a des superbes. Et c'est ça, c'est que son trait, il est pas toujours pareil, j'ai l'impression. Enfin, c'est bizarre. Et on a l'impression que les colos sont pas finis, on a l'impression que c'est plus des croquis que des colos. Il y a des belles pages. Oui, il faut que j'aille dedans. Faut que je continue d'avancer mon cute and creepy. Mais c'est pas vers cette illustratrice que je me tourne. J'aime bien celle-là. Pour faire plein de yeux différents, là. Mais voilà, elle avait fait. Ma page de cou. Attention, Bella. On recule, on recule. Hop, on avance, on avance. J'ai reçu celui-ci hier de Taz. Voilà. Jade me l'a pris.
Elle m'a déjà plié la couverture, on dit merci Jade. Donc le Matchstick Mouse, A Summer Coloring Book de Morgan O'Brien. Pareil, il y en a quelques, il a eu des soucis aussi via Amazon, donc tout n'est pas disponible. J'aurais voulu le Grogu, enfin je sais pas trop là, l'univers Star Wars. Mais il n'est plus disponible. Faut que je regarde sur son Linktree si je peux l'avoir ailleurs. Je sais pas. Mais bon, j'aurais voulu l'avoir aussi, celui-ci. J'ai les tous mis dans ma wishlist. Du coup, il y en a avec des dinosaures, j'ai vu. Trop cute. Donc je vais voir. Lui, c'est sur Ko-fi, lui. Mais il faudrait que j'aille voir si je peux avoir ceux qui me manquent, ceux qui m'intéressent. Les prendre pendant qu'ils sont disponibles. Parce que si ça disparaît, d'ailleurs, vous avez son dernier qui est disponible gratuitement. Sur son Ko-fi, j'essaie, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, en espérant qu'il soit toujours gratuit. Parce qu'il avait fait une illustration avec Mickey et la petite souris, mais voilà, celui-ci, il n'a pas été dispo très très longtemps. Donc j'ai le Summer. Et c'est vrai qu'il m'avait offert pour mon anniversaire le Spring Times. Voilà. Donc, ça c'est pareil, je vais pas me prendre la tête, j'ai des colos dedans et. Des petits colos qui vont prendre une journée, même pas. Et... Ça va être cool. Ah, petite souris, trop mignonne. Voilà. Donc voilà, c'était le dernier. J'espère que j'en ai pas oublié. Normalement, j'ai regardé partout. Normalement, c'est bon. Mais bon, il y a tous les PDF. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des duos. Si. Ça vous intéresse, si vous aussi vous les avez entamés et si ça vous permettrait de les entamer en même temps que moi. Donc je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais enfin, voilà. Des bisous, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.